Bonjour et bienvenue sur FM. Non, j'ai pas abandonné. Voilà, j'ai pas abandonné. J'espère que vous allez bien. Je redécouvre la partie et je continue. J'étais au Maroc, j'ai joué à LOL et tout. Je fais un peu le plouc, mais je finis au moins cette saison. On verra pour une troisième, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, cette saison se passe bien. On est quatrième de Liga avec, vous le voyez, un point d'avance seulement sur la Sociedad, donc c'est très serré, mais deux points de retard seulement sur Villarreal qui a un match en plus. Donc, à part le Barça et le Real qui sont tout devant. On est plutôt pas trop mal. Et méga 23 buts. Hassan Diaw, le très légendaire, la note est folle. 14 buts en première division, 22 buts sur la saison, c'est très fort. Observé par le Bayern, voilà, rien que ça. 16 passes D pour Hector Bellerin. Voilà mon équipe. J'ai ramené Ricky Puig à la maison, voilà. Ricky Pooch, comme vous aimez l'appeler. Koitakura et tout. Enfin bref, au global, ça se passe plutôt pas trop mal. Thauvin, Ouedraogo. Voilà. Et je vais jouer le Real Madrid. Attends. Peut-être la sélection de l'équipe, ouais. On va jouer le Real Madrid. Ok, très bien. Je m'attendais pas à jouer le Real Madrid tout de suite. Je reviens sur un match avec le Real Madrid. C'est waouh. C'est fort, ça. C'est fort. Donc ouais, j'ai Emmanuel Emega, j'ai Hassan Diaw, qui est vraiment assez bon. J'ai pas mal de monde. Alors j'ai juste un seul souci, je vous le dis, avec Emmanuel Emega. Ah oui, j'ai pris Pio Esposito aussi. J'ai un seul souci avec Emmanuel Emega. Regardez le problème d'Emmanuel Emega. C'est le fait que il est comme passif. N'aime pas les gros matchs. Donc il me marque 23 buts, mais il n'aime pas les gros matchs. Ce qui fait que je vais sûrement le vendre cet été. Voilà. Parce que les neufs qui n'aiment pas les gros matchs, ça dégage. Et j'ai recruté Savio cet hiver d'ailleurs, au final. Donc on a maintenant Savio aussi, qui est très fort. Bref, on est à domicile, on est face au Real, ça va être très dur, donc on va se mettre en équilibré. Et puis écoute, on va voir, hein, j'ai envie de te dire, on va lancer le match comme ça. Et on va voir. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une option d'achat sur Pau Koubarsi. Faut que je le branle pour qu'il ait envie de signer chez moi. Voilà. Putain, j'ai mis les jeunes en défense et tout. J'ai même pas réfléchi. C'est vrai que j'ai Omar Alderete et Patrick Pfeiffer qui sont mes titulaires habituellement. Wilfried Ndidi. Raphaël Luiz, ah ouais, le monstre. Putain, pourquoi j'ai pas mis Raphaël Luiz? Je suis trop con, frère. Oh. Raphaël Luiz qui est vraiment mon monstre. Waouh. La CDM de FM, je l'ai suivi de loin. J'ai suivi les aventures forcément de Joël et tout. Mais c'est à peu près tout. D'ailleurs, Vini qui m'a marqué 1 milliard de buts face à moi, c'était dur. Mais non. Ah ouais. C'est fort. Je m'attendais pas à ça. Hein. Ok. Pose-moi ce bus. Peut-être pas à la 7ème minute, mais ça va venir. Hein. C'est la coupe, non? J'ai pas regardé. C'est peut-être la Copa de l'Envoy. T'as peut-être raison. Faut qu'on regarde. Mais en tout cas, ouais. Voilà pour le bail. Et voilà, on reprend un peu. Ça fait quelques semaines que j'ai pas joué cette session, mais on va la jouer tous ces prochains jours comme ça. On sera bien, je vais me relever un peu ma cam, comme ça vous avez les notes des joueurs. Hop là, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Puig, il a 0,5 étoiles, c'est normal, il est en train d'apprendre le poste. Mais il a les stats pour être bon à ce poste. C'est pour ça que le 0,5 étoiles, il n'est pas représentatif. Genre, faut pas, je panique pas dessus. Ouais, match aller de la demi-finale de la Coupe d'Espagne. Ouais, c'est le match aller de la Copa del Rey. Ouais, t'as raison. Peut-être l'occasion de prendre un titre, peut-être. Ça rappelle un Lyonnais qui allait prendre la Copa del Rey au Betis, non? Putain, vraiment tous les hommages que le Betis fait à Fekir depuis son départ, c'est ça le football. Être dans un club et le marquer tellement qu'on te célèbre et que t'as laissé une empreinte énorme là-bas. C'est un truc de fou, frère.
Allez, Savio. Oh, j'ai cru que ça allait être un pénalty, peut-être. Ricky Pucci. Ancien Barcelonais. Miranda, ancien Barcelonais. Itakura, pas ancien Barcelonais. Oh, j'y ai cru. Allez. J'ai beaucoup d'anciens Barcelonais, hein. Je prononce Ricky Puig pour ma part, le bon vieux Ricky Puig. Ricky Pucci. Ricky Puig. Et ouais, les mecs. Ouf. Mais c'est vrai que je viens de me rappeler que Carnet Séchi, j'ai changé beaucoup de choses au mercato d'hiver. Attends, faut que je regarde. Emma, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ça a frappé à la porte d'entrée, 2h30 du mat. Bon, on va ignorer, hein. C'est fermé à double tour. Oh non, le pénalty de merde. Oh non, le pénalty de merde. Oh, c'est dommage. La mi-temps était pas si mal. Sors le marteau, t'attends quoi? Frère, je joue à FM. Voilà. Ah. Il y a des priorités, faut pas déconner. Allez, on va les encourager, ça va leur faire du bien au moral. Ouf. On est en train de prendre l'eau, là. On est en train de prendre complètement l'eau. Même si elle a l'air... la stat est boostée par le penalty. T'as, c'est compliqué, des fois, FM, de se remettre dans le jus quand t'étais pas dedans pendant un moment. Voilà, tiens, on va changer deux trucs. Je ferai des petits changements. Wesh. Je vais attendre la 60e. Mais juste, je suis dans le setup là, enfin dans la pièce de stream, et il fait chaud, mon dieu. En plus, il y a le The Event ce week-end. Et demain, je vais au 5. Vous savez que demain, je suis trop hypé d'aller au 5. C'est le deuxième de la semaine, j'ai trop hâte. Là, on a un bon groupe de 5. Franchement, les bons groupes de 5, c'est tellement doux. Genre, on a un groupe WhatsApp, on est 40 dessus. Ça a posté jeudi, enfin, mercredi qui est chaud pour vendredi. 12 mecs en 10 minutes. C'est fort, ce truc. Ouais, ouais, Draogo, ouais. Ouais, Savio. Ouais, ouais, Esposito. Oh. Allez. C'est fort, ça. Tire. C'est pas mal, ça. Centre. Penalty. Capitaine, votre équipe au 5, c'est Chris. King Chris. Et Manzala, les meilleurs joueurs. c'est pas une belle moyenne. 12/40 en 10 minutes, tonton, c'est bien sûr que c'est une belle moyenne. Allez, Savio. Oh, encore toi. En vrai, il y a de la place, hein. Faire rentrer Abdé. Faire rentrer Chanouzoun. Je me garde un dernier changement. Jure, le bon vieux King Chris, ouais, il est fort. King Chris est fort au football. Mais il joue comme un bordélico. Une fois qu'il a passé un dribble, t'es sûr et certain qu'il va pas te passer la balle, il va essayer d'aller jusqu'au bout, frère. Chanouzoun, ouais. Savio. Miranda. Abdé, oui. Allez, encouragez. Allez, les mecs.
fin de match. En vrai, 1-1 à domicile, c'est pas le scandale du siècle. Le problème étant qu'à Bernabeu, je ne vais jamais gagner. Ouh, la frappe. Ouh. King Chris, c'est celui qui crie le SMIC. J'en sais rien. Je connais pas les mêmes de tout le monde, putain. Le SMIC. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour l'entrée de Flotov ? On va faire rentrer Flotov. Je vais passer en positif pour les dernières minutes. Il faut que je gagne, parce que en vrai, si je gagne pas à domicile, je gagnerai jamais. Je gagnerai jamais là-bas. Oh la dinguerie. Ouf. Ils vont comment? Ils vont bien, les bons vieux Ricky Pucci et Esposito. Mais là, je veux... Il faut que je remporte celle-ci. En vrai, dans la XG, je m'en sens pas trop mal. Ils sont devant moi, évidemment. Mais ils ont un penalty qui booste un peu le truc. Et puis, j'ai pas pris l'eau. C'est déjà bien. Papetti, Ndidi. Oh, Flotov, ça cook. Ça cook. Flotov pour Miranda. Oh là, ça cook, les gars. Regardez la cuisine. La cuisine, il fait chaud. C'est pas fini. C'est qui a mis Koumbédi en latéral offensif? Attaque. Oh, le centre du Koumbédar. Oh, le centre millimétré du Koumbédar. Les supporters en folie dans le chat. Non, c'est fort, ce truc. Je touche à rien, tu sais quoi. Je repasse même pas en équilibre et je touche à rien. Mais là, la cuisine a donné un truc. Oh, putain. Il reste 3 minutes. Je touche rien. Vraiment, je touche rien. Tant pis, si je prends un but, je prends un but, mais... Je touche à rien. J'accepte mon destin. Quoi qu'il se passe. Je prends un but, tant pis. Pendant que Joël Digbeu aurait fait rentrer un 13e défenseur. Oh, carnet sexy qui récupère le ballon. Prends ton temps, tonton. Prends ton temps, tonton. Siffle. Faut siffler. Monsieur l'arbitre, c'est la 87... c'est déjà la 101e minute, là, monsieur l'arbitre. Yes, B. Il faut siffler, frère, j'ai jamais vu ça. Le ballon est au milieu de terrain, il y a déjà plus une minute, frère, mais... Eh ben écoute, victoire 2-1 face au grand Real Madrid. C'est fort, hein? Ah ouais, je suis sur une bonne série et tout. Attends, je vais me rappeler qu'est-ce que j'avais fait au mercato d'hiver. Qu'est-ce que j'ai fait? On va devoir faire tourner un peu pour le prochain. Mes transferts arrivés. Pourquoi je peux pas le voir? Alors, on va faire par date. Pio Esposito, Ricky Pucci, Savio 22 millions. Carnet Sechik, j'ai payé 20 millions d'euros quand même. Je voulais absolument changer de gardien, on voit ça. Et au niveau des départs, Abner Vinicius, Alex Perez, Altimira, non ça c'est... Ouais. Ouais. Thiago Ernest en prêt à Clermont, Alex Perez, Pablo Fornals qui s'est barré, Alex Colliado, William Carvalho, Pablo Garcia, bah écoute... Ouais, je suis sur un certain nombre de victoires d'affilée, là. Ça se passe bien, là. Hein. Liverpool pourrait tout miser sur Guevara. C'est fort, ça. Allez, on va faire tourner un peu le prochain match. Histoire 2 contre l'Atlético Pampelune, parce qu'après, j'affronte la Sociedad à l'extérieur. Et si je gagne contre la Sociedad, je leur mets un peu une vitesse au niveau des points. Et ça, c'est très positif, ça. Ouedraogo, qui fait une belle saison, qui progresse bien.
7 buts, 5 passes D. Regardez les notes moyennes, c'est plutôt bon. Il y a un article très intéressant sur Botafogo. Ah, je jetterai un coup d'œil. Avec plaisir. Ah là, bizarrement, avec. Là, ils sont tous positifs, les journalistes. Ah là, ils me détestent pas, bande de bâtards. Hein. L'OL a pas mis 8. Hey, on a mis 8 millions d'euros sur Abner, bordel. C'est pas un joueur de merde, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très convaincant depuis que les matchs officiels ont commencé. Hein. La prépa était pas mal, mais le reste. C'était vraiment pas trop ça. Hein. Le skin que j'ai mis, je sais plus comment il s'appelle, frérot. C'est un peu skill FM, je crois. JB Skins 1.0, voilà. Le skin de JB. Bon, vu qu'il fait chaud et qu'on voit que le haut. Hop. Fait chaud, frère. Oh là là. Ante Boudimir, mon cauchemar. Alors. Patrick Pfeiffer. On va faire jouer Raphaël Louis, les mecs. Obligé. Ça, c'est pas du joueur de merde. D'ailleurs, FM24 est gratuit, ouais. J'ai vu. FM24 est gratuit pour ceux qui ont envie d'essayer, les gars. C'est possible. À domicile face à Pampune, ils sont 16e. Ça, c'est pas un gros match, je peux faire rentrer mes gars. Après 4 saisons à tête de Bromma Pokiarna en Suède, je me prétends pas gagner la première division. Ah bah. C'est lourd, ça. Ça, c'est du vrai gars, ça. Mais non. Oh le poteau. Vraiment, tu joues le 16e à domicile et tu te fais cook. On connaît le jeu Ante Boudimir, mon cauchemar. Hein. Ah, c'est lourd ça. Je rappelle, samedi midi, je serai au service du midi à la Casdalerie Lyon, pour ceux qui ont envie de venir me voir. On a prévu des confettis, une arche, des sourires. C'est qui déjà Emmanuel Denis? Il me dit un truc, ce joueur. Bon, en ce cas, qu'il me dise un truc ou pas, je perds 1-0. Faut que je fasse attention. Ancien de Watford. Ouais, je crois que ça doit être ça. Penalty? Mais frère, je vais encaisser un penalty par match ou quoi? C'est la 9e minute, je vais perdre 2-0? C'est une blague? Je gagne le Real Madrid et match d'après, en 10 minutes, je perds 2-0 contre le 16e, mais c'est trop ce jeu. Putain, frère. Je gagne le Real de match. Wow. Je perds 2-0 contre le 16e. Je peux rien faire. Moi, j'ai pas suivi les énormes changements de FM25. Oh non, le poteau! J'ai entendu parler du nouveau moteur, mais sinon, genre, j'ai vraiment pas suivi de près ce que ça pouvait ou devait donner. Genre, j'ai suivi ça d'assez loin, donc en vrai. Le jeu est repoussé, ouais, ça j'ai vu, mais je parle plutôt des changements qui du coup est annoncé. Pas d'équipe nationale jouable. Bon, moi, perso, je jouais jamais d'équipe nationale, donc en soi, je m'en tape un peu, mais... Oh ok.
Ça va vite, hein. Comment ça, assistance vidéo? Quand même. Oh, le but de malade. Savio, Raphaël Luis. Par contre, vraiment, soon, et je le dis, en live, j'ai envie de jouer à un Pokémon. Me refaire un bon Pokémon Soul Silver, un truc comme ça, là, j'ai trop trop envie. Genre vraiment, les lives, les nights, enfin les nocturnes, pardon, Pokémon de époque 2021-2022, non, c'était fort ce truc. J'aimais trop. Oh non, et méga, frère, mon frère, faites pas ça. En plus, c'est une petite équipe comme thème. C'est le retour des épisodes FM. Oui! Ça fait 2 ans que tu dis ça. Attends, t'es en train de me mettre dans mes contradictions? T'as raison. Oh là là. Ça va vite, frère. Je suis à ma deuxième saison. Dixième minute, je perds 2-0. 26e minute, je gagne 3-2. Mais c'est l'Olympique Lyonnais, là. Je vais même pas les féliciter, frère. Non, j'ai pas de check les mercato de toutes les équipes de Ligue 1. Faut que je le fasse. Pour qu'on puisse discuter. Oh, le ballon. Oh. Et méga. Non, frère. Non, c'est trop fort. Oh, la passe de Itakura, l'appel des méga. Et la finition de Zinzin. Allez, là, j'appuie féliciter. Est-ce que Mega a marqué contre une top team? Faudrait regarder le total. Enfin, pas le total, mais la répartition de ses buts. Et je pense que je vais le faire monter en stats et je vais le revendre. Et avec tout l'argent qu'il va apporter, j'achèterai un vrai neuf. J'arrive, il y a 4-2 à 35e minute. Je perdais 2-0 à la 10e minute, mon gars. Et là, ça va peut-être être 4-3, vu que j'ai appuyé sur féliciter. C'est comme ça qu'FM ça marche. Oh mon gars, Mia Samba Varian, ça va ou quoi mon gars? Ah, les bonnes nocturnes comme ça, ça m'avait manqué mon frère. Et toi qui s'invente des stats à l'Inter, bien sûr que j'ai vu frère. Attends. Bien sûr que j'ai vu. Après comme j'ai dit, moi et toi... Il dit des conneries. M'en bats les couilles un peu. C'est comme un oncle qui extrapole tout, voire raconte des fois un peu des bêtises. Tu vois où il veut en venir, mais c'est pas méchant, c'est drôle. Bon, y a pas faute là. Bon, c'est pas le scandale du siècle, tu vois. Je prends ça avec légèreté. Oui, la défense. Oui, oui. Oh. Eh ben écoutez. Voilà, faites attention. Ok. Le rugby t'intéresse? Le rugby, moi je suis ça d'un peu loin. Mais foncièrement, j'ai pas le temps de suivre tous les sports que j'aimerais. Donc c'est très périodique. Il y avait une époque, je suivais beaucoup la F1, maintenant je suis beaucoup moins. Là, je suis beaucoup l'UFC.
Enfin, le MMA, pardon. Et forcément beaucoup le football. Mais j'essaie de regarder un max de foot, mais des fois, c'est pas toujours facile, tu vois. Donc, du coup, il y a des fois des championnats que je skip, que je regarde pas trop, comme la Serie A. Donc, j'évite de donner trop d'avis sur des joueurs de Serie A. Et au global, ouais, je regarde quoi, 6 ou 8 matchs par semaine, mais c'est pas facile de regarder 6 ou 8 matchs. Moi, rugby à 7 au JO, 2 points, respect. C'était génial. Le rugby à 7 au JO, c'était génial. J'ai vraiment bien kiffé, moi. Eto était si fort que ça à l'époque, c'était une terreur, frère. Et tu peux pas citer 10 top 9 du 21e siècle sans le citer dedans. Genre, c'était une terreur, gros. Vas-y, mon frérot, je vais regarder ton DM après. Moi, je regarde beaucoup la Ligue 1, beaucoup la Première Ligue. Le troisième championnat que je regarde, ça va être la Liga. Et ça va surtout être concentré sur Barça, Real. À la marge, ici et là, Atlético. Donc, sans mentir, je regarde pas souvent la Sociedad, la Valence, tu vois, des trucs à ça. La Serie A, je regarde très peu, à part quelques matchs à la marge. Et la Bundes, j'attrape un match ici et là. Donc, Ligue 1 PL. Troisième, Liga. Ensuite, Bundes. Et en dernier, Serie A, qui est le club que je regarde le moins. Enfin, le club, mais le truc. Voilà. Mais c'est difficile, je peux pas tout suivre. Ni être pertinent sur tout, ni avoir un avis sur tout. C'est trop compliqué. On va faire quelques changements. Trois changements. Je fais exactement pareil. Bah ouais, mais c'est un peu difficile, tu vois. Et en PL, les clubs que je suis le plus. Bah, je regarde Manchester City, United. Franchement, le top 6, sans mentir. Et en dehors du top 6, les deux clubs que je dois regarder le plus, c'est Everton. Parce que franchement, j'aime bien Everton. Paradoxalement. Et après, attention, genre, je regarde moins de 15 matchs d'Everton par an. Même moins de 10, sans doute. Hein. Je regarde genre ici et là, tu vois. Putain, t'es Boudimir. Et ouais, ça va se jouer dans les Crystal Palace, tu vois, des clubs comme ça un peu. Et c'est pour ça que Everton, par exemple, j'aimais beaucoup le bon vieux Jared Branthwaite. Ouais, Brighton aussi, ici et là, forcément. Mais le club, franchement, de PL, où je prends un plaisir masochiste à les suivre parce que j'aime bien quand ils sont bons et ça me fait rire quand ils se font chier dessus, c'est United. Manchester United, quand ça se passe bien, je suis plutôt content. Pas que je les aime spécialement, mais je suis plutôt content. Et quand c'est nul, je rigole bien, en fait. Mais en fait, quand j'étais gamin, même pour être honnête, je sais que beaucoup étaient comme ça. Quand j'étais gamin, j'avais un club préféré par championnat. Et le club que je préférais, moi, c'était pas United, hein, c'est pas ça que j'essaye d'amener. Moi, le club que je préférais, c'était Chelsea, quand j'étais gamin. Mais sinon, en vrai, j'étais là, tu vois, j'avais mes trucs. Et United, c'est un club qui m'a forcément, comme beaucoup, marqué. Et vraiment, j'aime beaucoup suivre Manchester United. Donc, c'est un club, genre, je suis content d'en parler, tu vois, Manchester United. Parce que je regarde vraiment beaucoup. Je regarde pas les 38 matchs, évidemment, mais j'en regarde autant que je peux. Et j'aime bien suivre le premier match du samedi 13h30. Parce qu'il permet des fois de capter des petits matchs ici et là. Tu sais, c'est le match qui, par exemple, l'an dernier, ça permet peut-être de capter ici et là un Sheffield, un Bournemouth, une équipe que tu regardes un peu moins, tu vois. J'allais te poser la question, Zach. Laquelle ? Bien joué à San Diao, mon gars. On a gagné. Putain, wesh ! Le Real Madrid a perdu contre la... Putain, c'est chiant. C'est le genre de match où ils doivent perdre des points. Mais ça te fait de la peine de les voir comme ça. Bah, je préférerais que Manchester United, ça se passe bien. En plus, moi, je suis un gars. Je pense que notre ami Ten Hag peut faire encore mieux. C'est pas...
C'est pas terminé pour moi. On verra. Compliqué de faire pire. Bah c'est vrai que c'est pas incroyable, je vais pas mentir, mais franchement, jusque-là, je trouve sincèrement qu'il avait un effectif par moments un peu compliqué, avec notamment le fameux mercato de l'an dernier que j'avais trouvé vraiment à chier, si on en avait parlé. Après, il a aussi sa part de responsabilité dans ce merdier. Mais franchement, gagner 2 titres en 2 ans, c'est quand même pas mal. Bravo, Marco Carné Sechi. Marco Carné Sexy, les mecs. Après, tu vois, il y a des clubs comme ça, on aime. Tu vois, moi, par exemple, moi, vous savez très bien que j'aime pas spécialement le PSG. Pourtant, le PSG, c'est chaque année l'un des clubs avec le projet le plus intéressant à suivre, je trouve. Quand j'étais petit, j'aimais United en Angleterre. Maintenant, bizarrement, c'est Liverpool. J'aime ce que ça représente. C'est un vrai club de foot sans trop de commercial, comme certains, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Grosso modo, sur Liverpool, on peut plus ou moins dire que le club a une âme, et une âme forte. Moi j'aime bien, moi je suis content. Liverpool l'an dernier, je pensais vraiment qu'il ferait une belle saison. Je suis du coup content de voir que ça a été le cas. Est-ce que je tentais méga sur un match qui du coup est supposé être un gros match? Ou est-ce qu'on se dit que ça va être Spermic et j'envoie Pio et j'envoie Esposito? Vous en pensez quoi? Parce que là c'est mon 11 titulaire pour moi. Ok. Vas-y, on va laisser la chance à Aimé Goat qui n'aime pas les gros matchs. Tu regardes le football portugais? Alors là, je vais pas mentir, frérot. Foot portugais, turc. Et rien, frère. Franchement, sans mentir. J'ai pas le temps dans une semaine d'aller jusque-là. Le pire, c'est que franchement, genre. Le pire, c'est que à mon échelle, sans me prendre pour ce que je suis pas, vous voyez pas, Zama, ouais, mais regarder du football, maintenant, ça fait partie, entre guillemets, de mon taf, tu vois. Genre, pour pouvoir discuter, parler avec vous, en dehors de l'OL, même, tu vois, aller sur hors-jeu et tout, tu vois. Genre, ça fait partie un peu du truc, tu vois. Donc, c'est un truc agréable. Évidemment, ça fait super plaisir. Mais c'est vrai que, du coup, regarder des matchs pour être sûr, streamer, faire des vidéos, machin, là. C'est un taf de fou, alhamdoulilah. Mais du coup, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut pas être genre tout regarder. C'est très dur. C'est très dur. Hors jeu, j'y étais ce lundi. Et j'y serai lundi pro, normalement. Unai, qui est à Sociedad. C'est beau, ça. Je pense que jouer en équilibré à la Sociedad, c'est trop ambitieux. Je vais me mettre, enfin, en positif. Oh, quoique, en soi, et je touche rien. Tu vis de ta passion, même si ça a ses inconvénients, j'imagine, comme tout. Mon frère, écoute-moi bien. Alhamdoulilah, je suis très heureux de ce que j'ai. Et même si, des fois, tu vois, ça peut prendre du temps, y aller haut les bas, tout ce que tu veux, par rapport à des gens qui ont une vie et des métiers autrement plus compliqués. Jamais je ne m'en plaindrai publiquement ou quoi que ce soit, tu vois. Genre si j'ai une période moins bien ou des périodes plus compliquées, je vais le garder pour moi, ne serait-ce que par décence. Ou alors je vais vous en parler, mais je vais vous en parler gentiment et en y allant tranquille sur les termes, tu vois ce que je veux dire.
que ce serait pas un but de con, frère? Est-ce que Casemiro se fait trop facilement défoncer sur RS alors qu'il est en partie victime du rôle qu'on lui demande? Attends, je lis tout ton message, frérot. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, Casemiro, c'est un très bon joueur. Mais avec ballon, quand il est pas pressé, c'est plutôt pas mal. Quand il est pressé, c'est difficile. Et c'est notamment un truc, et je l'avais déjà donné cet exemple, que Guardiola avait identifié. Donc quand vous regardez Real Madrid City de 2020, quand City sort le Real, avant d'aller scrouter contre l'OL, le marquage individuel sur Casemiro, c'est l'une des clés de pourquoi ça s'était bien passé. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en PL, Casemiro, bah déjà, il a un peu vieilli. Pas forcément accompagné par les profils qui lui correspondent le mieux au milieu. Voilà. Et au-delà de ça, bah, la densité dans le jeu, en PL, c'est aussi quelque chose de remarquable dans la mesure où Manchester United n'est pas dominant comme pouvait l'être le Real par moment. Et je veux dire par moment parce que c'est vrai que le Real aimait souffrir en LDC. Mais du coup, je pense que ça explique en partie pour moi une certaine « let's go » des difficultés qu'il pouvait avoir. Il n'y a pas hors-jeu. Je vous jure qu'il n'y a pas hors-jeu. Arrêtez les bêtises. Il n'y a pas hors-jeu. Yes. Ah, ça fait plaisir, ça. C'est vrai, au classement, c'est un match à 6 points, ça. J'aurais pu acheter Amrabat. Amrabat, ça allait mieux au fur et à mesure. Au final, il finit en Turquie. Bon. On verra. Hein. Non, j'ai pas vu le Portugal aujourd'hui. J'ai pas regardé le match aujourd'hui. Tu penses Mbappé hué demain au parc? Ça m'étonnerait. Peut-être un peu, mais je pense pas qu'il y aura la masse de supporters du PSG. C'est la France. On verra. Portugal-Croatie, c'était bien nul comme prévu. Ah ouais, c'était à chier. Comme moi, en ce moment, Zach, j'ai dû arrêter mon taf pour m'occuper de ma mère et ma soeur malade. C'est compliqué en ce moment, mais on dit rien et on avance. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, pour revenir sur ce que je disais, je suis regardé par des gens qui ont des fois des vraies périodes de difficultés intenses, par des caissiers, des gens qui sont, je sais pas, au chantier, tu vois, des trucs très intenses, très durs. Donc c'est vrai que m'épancher pour leur dire « ouais, c'est difficile et tout », ça peut l'être, hein, mais faut être un peu réservé aussi dessus, tu vois, genre tranquille. Amrabat, au début, il jouait pas DG, si frère, il a joué latéral. Et il coûte des buts, il a coûté des buts dans cette position. Hein. Ah ouais, Aznou, c'est chaud. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Il y aura une rediff de la partie FM ce soir, demain. Alors demain, à voir, peut-être. Mais il y aura une rediff dans tous les cas, oui. Est-ce que c'est pas le moment de mettre... Mais la masse salariale de Galatasaray cette année, je pense, ça doit bien faire rire. Hein. Tu fais le The Event ou pas du tout? Pas du tout, mon frère. Je liverai quand même un peu dans le week-end. Mais non, je... C'est très fort, Aznou, oui, joue latéral pour le moment, mais peut jouer ailier vu la qualité technique. Ok, Aznou, je retiens. J'avais vu passer le nom, mais jamais vu jouer le joueur. Oh! Le Cogna passé par lui, une tuerie à Servette. Timothée Cogna, tu parles? Parce que du coup, ouais, je le connais de, quand j'étais jeune, je le connais non, mais j'ai pas des souvenirs très marqués de ce gars. T'as déjà participé à un The Event, toi, en 2019? Mais paradoxalement, The Event, j'y ai participé à une époque où je streamais pas beaucoup. Donc j'avais pas beaucoup de viewers. Alors que là, maintenant, je stream quand même pas mal. Donc du coup, bah... Ce serait mieux maintenant. Mais encore une fois, comme je l'avais dit, parce que je me suis déjà exprimé à ce sujet, il n'y a pas de place due dans ce genre d'événement, tu vois. Et ça sert à rien d'avoir un ego mal placé ou une connerie. On m'appelle, je viens. On m'appelle pas, parce qu'on considère peut-être qu'il y a assez de monde ou autre, tu vois.
Faut pas prendre les choses personnellement, bah y a pas de souci. Et moi, The Event, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours suivi Event. Donc perso, je le regarderai avec grand plaisir. Abdi. Ouf, ça c'est de la passe ça. Tu marques, tonton. T'aurais pu le faire online, non. Ça par contre, tu vois, ça c'est un peu ma limite, entre guillemets. Online, ça va. Je préfère laisser ma place. Moi, je l'ai vécu en vrai. Si je dois y aller, c'est en vrai. Parce qu'en vrai, c'est une saveur qui est vraiment complètement différente. Si c'est pour juste être chez moi, ça me chauffe pas de ouf. Et je pense qu'il y a du coup des gens avec plus de motivation qui le feront mieux que moi. Et qui réussiront à choper beaucoup d'argent. Je le sais, à pas supporter les events type The Event, c'est gens qui font que crier H24. Je vois pas intérêt à suivre d'un point de vue viewer. Parce que il y a beaucoup de... En vrai, tu caricatures un peu, c'est pas que des gens qui crient. Et puis surtout, il y a aussi des choses un peu exceptionnelles. Des gens réunis au même endroit de cette manière, c'est tellement rare que ça donne des fois des scènes que tu ne vois pas sur toute l'année. Donc en vrai, d'un point de vue viewer, il y a des choses très très intéressantes. Le centre ? Oh, mais on leur a mis 3-0, frère. On leur a mis 3-0, mon frère. C'est fort, ça. Merci Dada le bon, mon frère, pour ton message. Surtout pour une œuvre, c'est cool, bien sûr, frère. Oh, le match à 6 points qui est remporté, ça régale. Hein. Trop bien. J'ai gagné tous mes matchs et je suis sorti du top 4. Ah non, merde, je me suis pris pour Sam Sebastian, c'est l'inverse. J'ai 47 points, je suis 3ème de Liga. Et surtout, j'ai 4 points d'avance là. Et même si l'Atleti gagne son match, j'ai 6 points d'avance sur l'Atleti. Donc en vrai, avec moins, avec 10 journées restantes, un peu plus, j'ai 4 points d'avance. C'est pas encore la... C'est pas l'avance du siècle, mais c'est plutôt bien. Raphaël Luiz, putain. Comment je suis heureux d'avoir pris ce mec. Il m'a coûté un paquet de clopes, mais le mec te fait une saison 7,31 de note moyenne. Vous savez, c'est quoi 7,31 de note moyenne? Regardez la progression, citoyen modèle. Non, c'est fort. Il revient quand Bellerin? 5 jours. Car on a un match à Almeria à l'extérieur. Ils sont 15e. Almeria 15e, c'est pas... C'est pas le scandale du siècle, quoi. C'est pas... Ouedraogo progresse de manière satisfaisante, Chanouzoun, plus grand salaire. Après, j'ai dit ça, mais je pense qu'ils vont me tuer. La 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 la. Oh non, non, non. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, j'affronte qui du coup? Alkmaar. En plus, on en parlait d'hier, Alkmaar. Qui s'est pris 7-1 par l'Olympique Lyonnais. 5-8 jours, Chanouzoun. C'est chiant parce que c'est typiquement le match où j'aurais aimé le faire jouer. Ok, Almeria, c'est du Eméga dans le texte. On va faire tourner un peu. On va faire tourner un peu, Almeria. Est-ce que j'ai commencé à remplir les dates pour Zakori? Bien sûr, frère. Gentiment. Ça revient début octobre. La vidéo d'annonce de Veretout, non, je l'ai pas vue. Putain, l'Atlético qui gagne le Barça à la 92e et ils prennent leurs 3 points.
C'est chiant, ça. Ils gagnent tous leurs matchs qu'ils doivent gagner, tu vois. Enfin, là où ils pourraient perdre des points, surtout, ça que je veux dire. Pour soutenir Hendrix dans la cour pour le trophée Next Gen. C'est fort. Hendrix, je sais pas si c'est un craquito ou pas, mais du peu que j'ai vu, ça, c'est du joueur qui a du chien. Et les joueurs qui ont du chien, ça se respecte. Alors, on va faire jouer Abdé, on va faire jouer Ndidi. Jurasek. On va donner un match à Alderete, sinon il va péter un boulon aussi. Commence à en équilibrer. Ils sont 19e au classement des équipes en force. Hein. En forme, pardon. Je sens que je vais vraiment pas... Ça va vraiment pas se passer comme un match premier contre 19e, là, les gars. Hein. Ouais, mon équipe, elle est sympa, je l'aime bien. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs IRL qui sont dans ce Betis-là, mais il y en a encore quelques-uns, donc ça fait plaisir. Oh, dommage. IRL, Abdé au Betis, et dans le 11 actuel que je propose, c'est tout. Sur le banc, il y a qui est au Betis IRL? Il y a Busto, il y a Miranda, s'il y a encore, je sais pas. Et il y a Bellerin. J'ai changé toute l'équipe, frère. T'as des bons jeunes. J'ai Pablo Busto qui est pas mal. J'ai quelques régènes, mais... C'est pas ouf. Ouais, Hassan Diao aussi. Ouais, Hassan Diao. Qui a fait l'Euro U19, je crois, d'ailleurs. Il faut gagner ce match. Villarreal est en train de jouer en même temps. Ils se font 0-0. Si on peut continuer à avoir le matelas... Ce serait bien. En vrai, si on pouvait s'autoriser au moins une défaite, parce qu'on est dans une grosse série de victoires, on va pas tout gagner, évidemment. Ça ferait du bien. Skyfire en LDC, j'aimerais bien. Il est bon Abdé dans ta game. Ça va, c'est pas excellent non plus, mais... 6,84 sur la saison, c'est pas dingue quand même. Pas se mentir. Et 5 buts, 3 passes D. C'est bien moins meilleur que Hassan Diao. Enfin, bien moins bon, pardon. Olmar, Alderete, Ndidi, Savio, le ballon est méga. Et méga, tu marques ça. Ça, c'est de la finition, ça. Allez, encouragez. Brandon Lopi. Le concept FM avec Yass encore, Bruce et Rocky. Écoute, un FM multi avec mon gars Kamel, My Dream. Alors là, il est dans son solo Q Challenge et tout, donc c'est absolument impossible. Mais ce serait trop trop bien. Paul Ricard qui relance son partenariat au PSG pour pas que les Marseillais le boycottent. Ouais, j'ai trouvé ça un peu ridicule quand même. C'est un groupe international qui a fait tout son truc sur Borne à Marseille, mes couilles. Pour à la fin se chier dessus. Sur un truc comme ça, il y a eu un dysfonctionnement assez important, j'ai l'impression. Après, c'est pas l'affaire du siècle non plus, si on doit être honnête. Pernod Ricard, c'est vraiment un groupe absolument monstrueux, tu vois.
putain, ils vont marquer sur... Ils ont eu aucune occasion, ils vont marquer sur une demi-occasion. Et moi, je vais être la chienneté pour un match nul. C'est tellement... ça, c'est tellement les matchs durs dans FM. Où ton équipe, où ça se passe bien, galère contre un petit... Après, IRL, c'est un classique aussi, hein. Oh, Savio. Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Après, là, j'ai beaucoup fait tourner aussi. Je pense que ça participe. Oh, il n'y a pas pénalty. Bon, 64e, on va commencer à faire des changements. Je vois que les attaquants sont pas très efficaces. Emmanuel et Méga, c'est quoi, je te garde pour l'instant. Je vais mettre ce son. Oh! Il a raté devant le... la cage vide. Ouais. Ça, c'est un son que je me suis remis à écouter récemment. Et que j'aime bien. Savio. Oh. Hassan Diao. Oh. Et Méga, mais pourquoi il rate tout? Ah. Ouais, on a fait les changements. Passé en offensif. Oh, Villarreal perd. Foncièrement, on leur prend des points. Oh, le match nul immonde contre le 19e. Oh, j'ai deux expected goals, j'ai tout raté. Bon, on reprend un point sur Villarreal. On reprend un point. C'est pas la folie, mais écoute. Ils ont perdu, je fais nul. C'est surtout sur la Real, mais bon. Après, j'ai deux expected goals, quoi. Ça a beaucoup, beaucoup croqué. Mais bon, je pouvais pas gagner à l'infini non plus, faut arrêter de déconner. J'ai pas mal fait tourner. Non, ce son est trop légendaire. Tu t'imagines vraiment comme tu as dit dans le fin fond d'un vieux bar abandonné dans le Tennessee. C'est fort ce truc. Bellerin qui revient et qui est l'homme qui me fait des... Bon, match retour à Madrid. De la Copa del Rey pour se qualifier en finale. J'ai gagné 2-1 à l'aller. Alors autant vous dire que pour aller gagner à Madrid, va vraiment falloir baisser le froc. Putain, ils ont gagné leur match. La Sociedad, ils me mettent la pression. Ça va être dur la qualification LDC. Hein. Non, j'aime trop ces bêtises. Veretout, je le sens comme moi à l'OL, je pense qu'il peut apporter des choses intéressantes. Bon espoir. Ça va pas être folichon, c'est sûr. Mais en vrai... Bon, j'avais fait full tournée. Là, on remet les titulaires. Ça a pu se reposer un peu, c'est le point positif. Est-ce que je mets Bellerin titulaire direct? Eh ben, bien sûr. Watch me.
Vous pensez que je prends un doigt au cul dans ce match parce que là, waouh. Raphaël, lui, stressé. Ça, ça prend un rouge, ça, à 27e. C'est Zaha où je comprends pas trop le move, mais Zaha c'était même pas pour remplacer Nuama, parce que Nuama c'était Forbes. En vrai Zaha, faut pas comprendre, c'est juste un move de John Textor. Et John Textor fait ce qu'il veut, voilà. Et ça c'est très moche. Qu'est-ce que je pense de Le Penant en tant que Nantais, ça t'intéresse? Jeune qui a un potentiel correct. Pas folichon et pas très entreprenant, je trouve, avec ballon. Pas inintéressant, sans. L'option d'achat de Penant est à 2,5 millions en plus. Pas très élevé, mais écoute. Hors-jeu. OMG. Ça, c'est un match où tu prends 3-0 sur la longueur en 90 minutes, c'est insupportable. Bon, on s'est fait égaliser. Oh, c'était pas inintéressant. Ouais, Diao. Oui, oui, oui. Très beau centre. Très beau centre. Waouh. C'est fort ce truc. Kubarsi, Itakura. Non, non, les paires de balles bêtes comme ça là. Putain, oh le but, oh Cancelo, c'est chiant ça. Ça a du chien ce truc. Resserrer, 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 oui. Miranda, Diao, perd pas le ballon, pitié. Oh, là il y a une perte de balle Gogol qui arrive, je la sens, je la sais. Qu'est-ce que je raconte? Mais je suis sous crack. Mais non, penalty. Alors peut-être. Miranda, 16 en pénalty, content. Ou alors je mets Esposito qui a déjà marqué. Est-ce que je mets le meilleur en pénalty ou alors je mets Esposito qui a déjà marqué? Vous en pensez quoi? Soit je touche rien. Soit il a marqué en plus un de ses derniers. Soit je mets Esposito. Espo. Je vois trois mecs qui me disent Esposito. Le chat a parlé. Le chat a parlé. Le chat, c'est votre pénalty raté s'il marque pas. 14 ans sans francs en plus. Il a tiré avec un tel flegme. Il a tiré avec un tel flegme. Regardez le ralenti. Il a tiré comme un 6 mètres. Il lui a allumé sa mère. Wesh, il y a 4-2. Il y a 4-2.
Ah non, c'est fort. Oui, Savio. Bellerin. Savio. Putain. On gagne, frère. 4-2. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Pfeiffer. Miranda. Pfeiffer. Gentil, gentil. Oh, le débile, oh le débile, oh le débile. Ah là. Oh, le gardien, t'as le droit d'en arrêter une aussi. Hein. Oh, la perte de balle d'enculé, putain. En vrai, le gardien, là, je suis désolé, hein, mais... Il a le droit d'en arrêter une, hein. Non. Vas-y, laissez-moi au moins jusqu'à la mi-temps, s'il vous plaît, un peu. Une tranche de kiff. Genre une tartine de kiff. C'est Niakate. Ouais, bah, c'est Pfeiffer. Tu vas aller à San Siro en novembre. C'est fort, ça. Stade légendaire. Savio. Oh, le ballon pour Esposito, c'est bien ça. Ah, c'est vrai que Maxime Lopez en Ligue 2, c'est étonnant, mais il veut jouer avec son frère. Pourquoi pas, hein. Allez, ouais, 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 centre, oui, oui. Courtois, putain. En vrai, on joue pas mal, hein. En vrai, on joue pas mal. Pour un match à l'extérieur et tout, 2-2. Certes, c'est un penalty, mais c'était quoi ça? Allez, vas-y, la mi-temps, là, parce que il se passe trop de trucs. Ok. Ok. Savio 6,5 assemblé anxieux. Arrêtez de stresser, vous êtes pas des salopes. Un peu de. Un peu de couilles, les mecs. J'ai vu le tweet bait de Bruce où il fait son top 6 ballon d'or en mettant Messi 6ème. Voir les mecs répondre. Non, je vous jure, la Facebookisation de Twitter. Il y a trop de trucs à dire dessus. On va faire rentrer Flotovin, mon pote. Si on peut aller en finale de Copa del Rey. Oui, carnet sexy. Oh là là, la main de merde. Gardien pas attaqué. Tu suis du cul sur le match, mes frères. Comment je peux te dire non? Bah tiens, il y a Dovbyk au Real. C'est bien marrant, ça. Oh, un petit but pour respirer? Un petit but pour respirer? OMG? OMG. C'est pas fini. Centre. Oh, non. Oh, le caca au caca. Ouf, c'est bon. L'entrée de Flotovin à noter dans tous les livres d'histoire, les gars. Comme une entrée vraiment de merde. Itakura, Miranda. C'est but, ça. Mais c'est une action de but, ça. Oh là là. Ouedraogo, ça fait quelques matchs, il pue sa mère. Je fais entrer Chanuzun. Jeune turc. Je crois. Oh. On est fatigué, quand même. On se dit 10 minutes, les gars, et on commence à bétonner, mon gars. Oh, la bétonnière qui va sortir d'ici 10 petites minutes.
Vous n'êtes pas prêts, hein. Je fais tous mes changements. Oh, 71e. En vrai, non, tu sais quoi, je... L'arrêt, putain, je commence à prendre des... Je commence à prendre des petites vagues quand même. Allez, je touche à rien. Allez, je touche à rien. Je touche à rien. Pitié, 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 pitié. Pitié. Oh. Allez, on est à quelques minutes. Pitié. Allez, le pressing, oui. Ça, c'est du pressing, les mecs. Je t'en supplie. Une minute. Koumbédi, fais pas le débile. Non, 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 pitié, pitié, pitié. Pas une ingrédient défensive. Alderete. Oh, oh, ça sent tellement le fion. Ça sent tellement la transpi. Oh. Oui, c'est une bonne passe, ça. Oui, pourquoi pas. Oui, j'aime ce que je vois. J'ai le zup dur. Non. Oui. Non. Oui. Ok, il reste 30 secondes. Il y a faute. Pourquoi il n'y a pas faute? Oui. Oui. Mais on les fait tourner, là. Écarte là-bas. Mais non. La dinguerie. On est allé faire match nul là-bas, on est en finale de Copa del Rey. Exceptionnel, frère. Le doublé de Pio Esposito, putain. C'est émouvant. Option d'achat 14 millions. Ouais, ouais, t'inquiète pas. On va se caler sur cette option d'achat. Oh. Et j'ai vraiment tellement hésité à envoyer ou pas. Wesh, j'ai 4 mecs suspendus, c'est une blague ou quoi? S'appliquera à toutes les rencontres de coupe du football espagnol. Donc attends, j'ai ces 4 suspendus pour la finale. J'ai ces 4 suspendus là pour la finale. C'est pas simple. Hein. J'ai déjà un maillot du Betis Séville, Nabil Fekir, mon pote. Merci à Marseille 83000 pour le Seb. N'hésitez pas à Seb, les gars, pour le soutien de la chaîne, c'est très important. Vous avez un Prime, mais c'est toujours très apprécié. Il y a de belles émotes, on se sent bien. Bon, on va faire tourner un peu contre Vigo, mais bon. Peut-être un peu moins nombreux. Soins à domicile, va te soigner chez toi, tonton. Chanouzon est bien revenu. Nabil Fekir a été vendu, tonton. Il est à la Juve maintenant. Hop. Tenez. Prochain match, Ricky Pucci. Faire jouer Tovin titulaire.
Chanuzun. Ah, Sandiao, tu vas jouer, mon pote. Miranda, tu joues. Bellerin, tu dois revenir en rythme. Il nous fait cœur dans ta game, il est à la Juve, mon pote. Quel autre club que la Juve pour aller chercher Bilon Fekir? Il fait quoi comme saison là-bas? 8 buts, 10 passes D. 7,05 de note moyenne. C'est plutôt pas mal. En vrai, t'as vendu Fekir pour prendre des Tovin. Non mais c'est quel genre de on refait l'histoire? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Putain, je suis l'entraîneur du mois, les mecs. Oh là là, entraîneur du mois de la Liga. Est-ce que vous avez ça, les gars? Koubarsi a le même nombre de buts que Thauvin. 3 buts, Koubarsi. Combien de buts, Thauvin, cette saison, chez moi? 3 buts. Mais 7 passes D, quand même. Après, en vrai... En vrai, on a 2 matchs en moins que la Sociedad et ils ont 50 points. Ils ont que 2 points d'avance avec 2 matchs en moins. Et Villarreal a un match en plus et un point derrière. Donc en vrai, si je gagne mes 2 matchs, je suis à 54. 54, j'ai 7 points d'avance. Et du coup, ils auraient un match en moins. Bref, on se comprend. J'ai des mini-cartouches. Aller chercher la LDC serait fort. Allez, gagnons contre Vigo déjà pour commencer. Ah, ils sont contents, les supporters. Hein. Pourquoi la dynamique du joueur s'est un petit peu dégradée? Non. Commence à penser qu'il mérite un nouveau contrat. Commence à penser qu'il mérite un nouveau contrat. Commence à penser qu'il mérite un nouveau contrat. Ils sont 3 qui commencent à penser mériter un nouveau contrat. Est-ce que je leur donne avant qu'ils viennent demander ou alors est-ce que je fais rien pour l'instant? Genre, on anticipe ou ça change rien? Anticiper. Fais R. Eh ben vas-y, je fais R. En ce cas, 3 nouveaux contrats coup sur coup, ça va aller alourdir les finances. Hein. J'ai un peu de flexibilité, mais pas énormément non plus. Ricky Pooch. Miranda. Oh le Ricky. J'ai perdu 20 kilos depuis que je fais du sport, mon pote. Et surtout, demain, j'ai un 5 légendaire qui m'attend à 15h30. Si je me lève pas trop tard, je vais stream. Les gars, je suis très heureux. Franchement, je vous le dis, je suis très heureux. Alhamdoulilah. Oh, il y a pas Tessie, ça, Celta Vigo. Le bon vieux pâté saucisse, mon gars. Oh, le match a l'air d'être nul. Mon Dieu. Oh, ça sent le but. J'ai pas dit pour qui. Vas-y, Piccolo, mon frère. Oh là là, le but de Emmanuel et mon gars. Vous pensez ça part à combien, Emmanuel et Méga? 30 buts, quand même.
Bien sûr que niveau alimentation, j'ai changé beaucoup de choses. Après, j'avais toujours mes périodes où je me faisais un peu plaisir et tout machin, mais je faisais un gros volume de sport. Franchement, au-delà de l'alimentation et tout machin, qui est primordial, un des trucs que j'ai remarqué dans mon corps et je le sens, c'est qu'avec tout le sport que je fais maintenant, mon métabolisme a changé. Je brûle très vite et je le sens. Je le sens à la manière dont je me sens léger et tout machin. Enfin, vraiment, je le ressens, que je brûle beaucoup plus vite. Qu'après des périodes, même où je peux manger un peu moins bien, si je fais bien mon sport, je prends pas de poids ou j'ai perdu un peu, tu vois. Donc ça va, en vrai. Bellerine, là, pas, c'est magnifique. Genre, vraiment, quand je fais du gros sport et des grosses séances, des gros machins, j'ai des faims de loup, mec. Je mange de zinzin. Mais à course à pied, c'est trop bien. Là encore, je suis allé courir. Petite séance, 20 minutes d'échauffement. 10 fois 30 secondes d'accélération. Donc de sprint. Et après, 15 minutes de petit footing. Ça fait 6 km et quelques. C'est tranquille, ça met bien. Une autre séance un peu plus longue ce week-end. Ah, c'est la belle vie, frère, c'est fort. Ça aide vraiment à se sentir bien dans la tête et dans le corps. C'est ça l'avantage de la course à pied, c'est vraiment dans la tête et dans le corps. Surtout dans la tête. Et mine de rien, à ce rythme, je crois que j'en suis à 5 ou 6 séances de course depuis le marathon. C'était il y a moins d'un mois le marathon. J'ai passé 10 jours de semaine à rien faire et puis après depuis 5-6 séances. Pas mal, hein? Chanouzoun. En plus, demain, c'est vendredi. Vendredi, c'est un jour plus léger. Ça régale. Merci à Wesh Moha pour l'abonnement, mon frère. Moi aussi, c'est le fait de me lancer. Je suis toujours motivé, mais au bout d'une séance ou deux, j'abandonne. Ouais, je comprends. J'étais pareil quand j'essayais de lancer des dynamiques salles de sport. Faut déjà comprendre certaines choses. C'est, il me semble prouvé, ou en tout cas c'est notoire qu'une habitude se construit dans le temps. Ça, je crois que ça prend 3 semaines, on dit, à revérifier sur le temps. Donc laisse-toi le temps où pendant 2-3 semaines tu te files un cap et t'essayes d'en faire une habitude, tu vois. Et après, à la fin, aller enfiler la paire de pompes pour courir, frère, ça demande beaucoup moins d'efforts, tu vois. Et ça, c'est cool. Ça, vraiment, c'est cool. Vous savez que je regarde encore beaucoup les images de mon marathon et comment je suis heureux. Genre, c'est... Franchement, je vais être honnête avec vous. À 29 ans, c'est presque une des premières fois où je me fixe un objectif genre comme ça et où j'essaye de m'y tenir sur un long terme et où je m'y tiens. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai eu des objectifs intermédiaires, genre être plus régulier dans les streams ou dans les vidéos ou machin, à des époques où je l'étais pas, des trucs, ouais, pourquoi pas. Mais là, c'est un défi, tu vois. Et c'est une des premières fois que je me fixe un défi de cette manière et que je le réussis. Et ça... C'est trop cool, tu vois. NDD, le pressing haut. Laisse-le faire. Depuis la fin du marathon, objectif sportif, reprise du foot, Saint-Élion en relais le 1er décembre, marathon de Tokyo, mon frère. Voilà mes prochains objectifs. T'as vu qu'ils ont un peu d'actu, eux. Oups. Par contre, ils commencent à avoir des actions. Des améliorations sur la santé, bien sûr, frère. Dans le souffle, la stamina. Moins de boutons, moins de... Ouais, globalement, je suis en meilleure santé, tu vois. Oh, le but de con. Oh, le gardien de merde.
Mon poste au foot, mon gars. Le poste où franchement je suis le meilleur, je vais pas mentir, c'est gardien. C'est là où je jouais le plus, c'est là où j'étais, je pense, le meilleur. Maintenant, en vrai, le poste que je joue maintenant, c'est à 9, attaquant. J'aime bien. J'aime bien presser, j'aime bien fermer les angles de passe, j'aime bien jouer en combinaison. Et puis, j'aime bien essayer de marquer des buts. J'ai pas la technique pour être milieu de terrain, j'ai pas la qualité défensive pour être défenseur. J'ai pas la rapidité pour être lié. Voilà. Donc franchement, ça laisse pas beaucoup de postes, hein, mon pote. Hein. Non, mais pourquoi t'as ouvert l'axe? Ouf. Merci, wesh, Moha, mon gars. Marathon de Tokyo avec le ramadan, tu es sûr, Zach, ça va être dangereux pour ton corps? On va voir comment je peux le préparer. Après, tu vois, c'est possible que le marathon de Tokyo, s'il est par exemple à 9h du matin, que j'arrive au Japon en amont, que je le prépare et que je me déplace à Tokyo tôt le matin, ce qui fait que techniquement je voyage dans la ville et du coup j'ai pas besoin de jeûner ce jour-là, tu vois. Après je vais me renseigner si par exemple auprès d'un imam ou autre, si c'est quelque chose de viable ou pas, un peu comme les joueurs de foot qui se déplacent à un match, tu vois. Donc je vais voir. Et puis après sinon s'il faut le tenter le ventre vide, on visera peut-être pas un temps, mais on verra. Si par exemple il se lance à 8h du matin et que le sahur c'est à 5h, peut-être je m'alimente jusqu'à 5h et puis après je cours, quoi. On verra. On verra. Et ton idole Bobby Charlton ou autre? Ouais, Bobby Charlton, ouais. Que des grosses vidéos en noir et blanc. Tu sais que vu qu'il est 3h50 du matin, sur les centaines de viewers qui restent sur le stream, je me demande quel pourcentage s'est endormi devant. Genre si là tout de suite je criais genre combien de mecs écrivaient dans le chat « Ouah, tu m'as réveillé ». Je vais pas le faire, mais... Moi je viens de me réveiller, bon là j'ai pas hurlé. Ah tu t'es réveillé, c'est tondu. Par contre la victoire 3-1, elle met bien. Hein. Fais un test, non frère. Ça dort pas ici. Bon, ouais, ça va. Eh ben écoutez, la session FM qui se passe particulièrement bien. Regardez, j'ai 51 points. Donc un point de plus que la Sociedad, mais j'ai un match de moins, donc je peux les mettre à 4 points. Et surtout, je suis à 4 points de Villarreal et il reste une dizaine de journées. Et mes gars, le doublé. Non mais Emmanuel Emega, il va partir pour un prix, ça va être... Il peut pas être observé, là, parce que le « j'aime pas les gros matchs », c'est pas la folie. Hein. Allez, on fait le point. Qu'est-ce qui reste? Bon, qualification en Conference League, a priori, on est très bien parti. Attention à l'Atlético qui a que 25 matchs. S'ils gagnent leurs deux matchs, ils peuvent, ça peut être chaud. L'Europa League, il faut arriver en quart de finale, je joue la XZ Alkmaar. Et la Copa del Rey, je suis en finale face à l'Atleti ou Villarreal, sûrement l'Atleti.